Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. En envoyant mon Voltali contre un Pokémon type proche. Vous le savez tous, je suis bilingue. Mais il faut pas abuser. Je couperai mes nombreux fails pour faire croire que j'ai first try. Pokémon, attrapez-les tous! Pokémon, rien ne nous arrêtera, pas même une part de pizza! Mais arrête ta comédie, mon petit Lascar! Ce n'est pas possible! Tu arriveras jamais jusqu'au bout! Tu arriveras jamais à me vaincre, moi, le grand prince des saillants, équipé de mon Togepi! Eh bien oui, nous sommes de retour sur Pokémon The Evoli Quest. Nous sommes à la troisième partie de Pokémon Tempest. Et c'est Oliver Plasma aux commandes. Et ça se voit parce que... on va fail dès le départ. Car oui, je me souviens que j'avais des Pokémon pas très bien entraînés. Mais bon, c'est ça le fun. Tiens, là, ça nous fait un bref résumé de la situation. Les deux précédentes parties, ça fait longtemps que je les ai tournées, du coup, je me souviens plus de grandes choses. Je suis arrivé à Rigia City. Je traduisais magnifiquement bien. Et Oliver Plasma a sauvé le jeu. Oui. Je suppose qu'on est un peu obligé de sauvegarder la partie. Bref, on était rendu à l'arène, je suppose. Alors, où est cette arène? Ah, les boutons sont un peu mal placés. Bon, c'est pas grave. Quoique, alors, j'ai fait exprès de placer le bouton B et Y. Je suis un peu bête, hein. Je me souviens plus de grand-chose sur l'émulation au Game Boy Advance. Bref, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, eux? Oh, moi, qui es-tu? You better Scram. Mais c'est quoi Scram? Mais voilà, je sais déjà plus traduire. Je vous préviens, je suis peut-être plus nul qu'avant. J'ai pas fait de révision en anglais. Dernièrement, j'ai joué un jeu français hyper mal traduit du nom de Shantae Half Genie Heroes. Donc j'ai peut-être aussi rabaissé mon niveau de français. C'est parfait. Bon, on est parti. Alors, you better scram, or he'll make you. Oui. Make, c'est pas construire, mais c'est faire, voilà, c'est faire. Qu'est-ce que tu fais, scram? Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, en gros, on n'a pas le droit de passer. Ah, dégage, enfant! You don't wanna mess with us. On te laissera jamais passer ici, là, avec us. On te laissera jamais passer avec nous, non? Non, on te laissera jamais. On fait un barrage, quoi. Traduction incroyable. Du coup, on est parti pour cette arène. Quoique, attendez. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est une arène, c'est quoi? Rigia City Gym. LZ, the bug type user. L'utilisateur des insectes. Du coup, on va être contre les types insectes. Et je trouve plus les boutons. Pokémon. Ah, ils sont pas soignés. Bah, c'est parfait. Je ne savais même plus que je les avais pas soignés la dernière fois. Du coup, on va les soigner vite fait. J'en profite aussi pour dire que. Bon, j'ai un peu raconté my life, mais je suis un peu obligé pour dire où est l'avancement et du let's play, du futur let's play Mario et Luigi Super LOL Saga saison 2. Eh bien, j'ai pas du tout avancé. Voilà. C'est dit. Et je me disais que à l'avenir, oh, je peux prendre mon temps, parce que bon, c'est les vacances, tranquille, tout ça. Je me dis, je vais rester au chômage pendant un mois.
Je vais postuler, mais attendre un mois, comme d'hab. Et finalement, juste après avoir fini mon CDD, eh bien, la société avec laquelle j'ai fait mon CDD m'ont recontacté, et du coup, je suis réembauché en CDI. Et c'est parfait. Mais du coup, il y aura beaucoup moins de vidéos sur la chaîne Oliver Flav. Une vidéo par semaine. Voilà, c'est ce que je me dis, voilà. Une vidéo par semaine et la saison 2 de Super Lot Saga arrivera en courant en septembre. Et quand on dit courant, ça veut dire à la fin, donc ça veut dire fin septembre. Voilà. C'est le langage Nintendo. Quand ils disent courant 2017, ça veut dire hiver 2017. Hein. Voilà. Quand un jeu sort. Ah, j'ai un peu raconté ma life, mais j'étais un peu obligé. Car il y en a quelques-uns qui veulent absolument avoir la suite de Super Love Saga. Je peux les comprendre, mais bon. Ah, Switch. Et ouais, je joue beaucoup sur la Switch en ce moment. Oh, Casse-vitre, je me souviens qu'il était assez cheaté. Milka nous, évidemment, il est fort. Mais on va être contre des types insectes, on va avoir un peu de mal. Non, finalement, je vais prendre Casse-vitre. Et je pense que Casse-vitre, il va faire un très bon Pokémon. Car je me souviens que les types vent. Mince, les attaques type vent sont très efficaces sur les bugs. Tout simplement. Et ça, c'est bien. Voilà, donc on est contre cette chiasse. Chenipan, dans son nom français, qui est plus classe que Caterpie, qu'est-ce que c'est que ça? Caterpillar, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une marque de travaux publics, je ne vois pas ce que ça fait dans Pokémon. Enfin bref, on va faire l'attaque vent. C'est super effectif! Du coup, je l'ai défoncé. Je l'ai marouflé, il a rien compris à sa life. Et bah non, je vais pas changer. Parce que type électrique, c'est de la merde contre eux. Et comment je l'ai appelé là? C'est Nayamu, je crois que je l'ai appelé l'autre Pokémon là. Le chien là, des ténèbres. Bon. On va être simple, hein. Link loup-garou. Tout simplement. Ah bah lui, il sert à rien, c'est Crisacier, lui. Le plus nul Pokémon avec Magikarp. Il a pas d'attaque. Hein. Par contre, il a une défense de feu. En fait, lui, il sert à épuiser le Pokémon. Jusqu'à ce que le Pokémon qu'il attaque ait plus d'attaque. Et finalement, il fasse du coup dernier effort. Et le problème de dernier effort, c'est que d'un côté, le Pokémon, il attaque l'autre. Mais il s'inflige lui-même des dégâts et pas mal de dégâts dans la tronche. J'ai même pas regardé ce que j'ai gagné comme XP. Enfin, comme caractéristique. Ah purée, mais Casse-vitre, il est très fort, Casse-vitre. Bon, lui, je crois que c'est l'évolution de Crisacier, donc il sert à rien. Voilà. A noter aussi que les types insectes évoluent très vite. Mais ça veut pas dire qu'ils sont vraiment forts. Hein. Toi, 120p. Bon, par exemple, Dracaufeu, il évolue très tardivement au niveau 36 et voilà, c'est bien. Il est très fort. Oh non! Oh non! Hey, il faut peut-être switcher avec. Et faire disparaître ce truc. Cette branche. Mais bon, du coup, il faut avoir la capacité. Coupe. Mais est-ce que je l'ai? Oh non, il faut que je la prenne à un de mes Pokémon, ça doit être ça. Bon bah, sac de nœuds, tu... sac de nœuds, qu'est-ce que je raconte? L'homme des sables, là, je... Il va essayer d'apprendre ce truc, ou... Comment on fait pour apprendre les trucs, déjà? Faut aller dans le bac. Ah, ça, on s'en fout. Y'a pas de CT. Ah, mais non. Mais non. Il se fout de ma gueule. De ma tronche. Ça c'est pour les objets importants, ok, importants entre guillemets.
Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, bah c'est ça. Et donc, bullet seed. The user shoot seed at the phone. 2-5 seed are shot at once. Mon accent anglais est magnifique. Et je suppose que c'est coupe. Si c'est coupe, j'espère. Fuse. Mais c'est super, ils sont tous pas... Bah c'est génial. Ah c'est génial, ils sont tous pas aptes. Ah mais c'est magnifique. C'est de toute beauté ce jeu. Il faut capturer un Pokémon qui sert à rien. Donc un insecte. C'est génial. J'adore. Bon, je crois qu'on va couper. Dégage gros lard. Les fourbes. Alors oui, c'est pas l'attaque cut qu'il faut faire, pour pas faire couper. Il faut aller à gauche, trouver un interrupteur, parce que switch égale interrupteur, je suppose. Un interrupteur a été actionné. Et voilà, l'arbre a disparu. Alors évidemment, je suis allé de droite à gauche, j'ai trouvé un Pokémon perdu là, dans les bois. Qu'une petite fille a paumé. Ça a servi à voir un truc, je sais même pas ce que c'est. J'ai tourné à droite à gauche et j'ai combattu deux dresseurs, donc du coup. Mince, du coup. Mon Pokémon Cassevitre a gagné un niveau. Nayamu est vraiment faible, hein, par contre, ça va être chaud. Et j'ai pris ce Pokémon pour rien. C'est génial parce que je me souviens que soudainement que l'attaque coupée c'est une attaque type normale. Donc ce truc là il va dégager dans pas longtemps. Et dernière chose, je viens de le savoir là que l'interrupteur était à gauche grâce à une vidéo YouTube. C'est magnifique hein, un whale through, voilà. Parce que j'avais la flemme de le chercher après. Ça m'a saoulé. Et bon... Je me souvenais pas qu'il y avait ça dans la version de base. Je ne pense pas. Je pense qu'on avait déjà coupé, quoi. L'attaque coupée. C'est fourbe. Ah, c'est fade, ils sont fourbes, hein, ils sont fourbes. Donc... J'ai traîné pendant 20 minutes. Bon, peut-être moins, quand même. Mais voilà. Et heureusement que j'ai ça. Le truc qui accélère le jeu. Ah, parce que sans la touche turbo, purée. Ah, mon dieu. Voilà, on s'en fout. Ah, avec ça, c'est bon. Hein. Ah, je viens de l'installer sur l'un des boutons de ma manette Super NES. C'est nickel. Hein. Alors, compte que je sois... Mais purée. Ça m'énerve. Il appuie deux fois, des fois. Ah, donc du coup j'ai fait un truc inutile et c'est super. Ah, il y a Wing Attack. Du coup j'ai fait un truc qui sert pas à grand chose. Peut-être que ça servira plus dans le futur. Pour sauver le Pokémon perdu dans les bois. Enfin, paumé... à 10 mètres à côté de la fille qui ne la trouve pas. C'est très logique. Tu trouves pas le Pokémon. Oh, c'est mon insecte. Il est trop pas fort. Ah, peut-être qu'il y a un petit interrupteur quelque part. Et donc oui, j'avais pas fait gaffe que Switch, oui, c'est interrupteur, je me souviens soudainement. Donc là, faut chercher partout. Ah, donc c'est peut-être les trucs à droite, l'ombre qu'on voit à droite. Et là, à gauche, les interrupteurs. En tout cas, on va se faire celui-là. Ok. Ok. Au calme. C'est quoi cette blague? Enfin, on combat un Pokémon évolué à 100%, quoi. C'est... Mais y a pas de fight là.
Peut-être que je vais l'avoir assez rapidement. Ah, quand même, c'est chaud, c'est chaud. Non, je vais devoir couper. Petite coupure. Pas mal de changements dans le... Dans le montage, là, à faire. Wing attack, on va faire. Notre pincir. Je ne sais plus ce qu'est son nom original. Alors, en tout cas, il concentre sa force. Toute sa puissance. Mais bon, ça sert à rien. Je me souviens, cette attaque, elle est un peu pourrie. Voilà. En tout cas, il aime pas beaucoup quand il y a beaucoup d'effectifs. Il est mort. Oh là là, on gagne beaucoup d'XP parce que, évidemment, c'était un Pokémon très fort. Et on gagne du pognon, voilà. Par contre, il faut que je me rebarre. Faut soigner mon casse-vitre. C'est un peu le seul Pokémon qui fait quelque chose contre eux. Avec peut-être Voltali un petit peu, mais bon. Le problème, c'est que c'est pas trop des Pokémon type eau. Contre les types insectes, et c'est pas terrible. Type insecte égale le type feuille, hein, c'est pareil. Sauf qu'ils sont un peu plus nuls quand même que les types feuilles, je dirais. Même si, bon, les types feuilles, je les aime pas trop aussi. Hein. À part bulle bizarre que j'appelle bulle des prés. Elle est trop classe. Ah merde. Il est toujours en on ou... Ah, il est toujours en on. Du coup, faut passer par là. Là, c'est bon, il est en on. C'est bon, il est en on. Et là, il n'y a rien. Et on est parti pour combattre la boss. Je préfère sauvegarder si ça marche. Et voilà. Alors, je confonds le bouton A et B encore. Voilà. Ah, pas mal de gens ont peur des insectes. Mais j'adore. J'adore leur côté creepy, voyez-vous. Si je suis même pas sûr que ça veut dire vraiment ça. Ça y est, ils sont grands, strong. Alors, gros, ça veut dire quoi déjà? Je me dis, ça veut peut-être dire hurlement, mais je pense pas, hein, parce qu'il y a strong juste à côté, il y a fort. Mais... En tout cas, ils sont forts, ils vont vite et. Par rapport à n'importe quel type, voilà, c'est les meilleurs là-dessus, bien sûr. Ils vont deux fois moins vite que Voltali, mais bien sûr, ils sont très forts. Alors, je vois que... I didn't give you much of a score. Bon, on s'en fout. Et donc, du coup, bah, bon courage pour combattre les meilleurs, voilà. Les types insectes, bien sûr. Les Kings. Nous sommes contre Butterfly. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Butterfree. Ah, purée, encore... énième coupure. Alors nous sommes contre Butterfree. Alors c'est un majordome qui est libre. Ok. Alors bon fight. Bon même si lui il est type vol donc ça va pas faire grand chose. Ah si quand même. Je me disais il était type vol. C'est purée. Il utilise sa potion. Allez, coup critique là. Ouais. D'accord, c'est plus puissant qu'avant, mais non, c'est pas un coup critique. Ah, pour les confusions, ça c'est horrible. C'est pas choc mental en français? Je crois que c'est choc mental qu'il utilise. Normalement, cette attaque est très puissante, mais là c'est un insecte qui l'utilise, donc c'est de la merde. Et casse vite, il va bientôt évoluer. Ah merde, je voulais pas changer, mais c'est pas grave. Bon, allez, un petit coup de 1000 canons, parce que c'est quand même Pokémon très puissant. Ah, et on va pouvoir le maroufler avec ça. Ah bah non, pas trop. Bon, bah ça nous piège juste, hein. Ça baisse peut-être la vitesse. Oui, c'est ça. Ça baisse leur vitesse. Il sait faire que ça. Allez, crève. Après, je vais en abuser de ce bouton. Parce que bon Duke, c'est lent.
que c'est lent la Game Boy Advance. Alors, le leader ici est au bout de ses forces. Elle utilise son dernier Pokémon. Je ne sais pas ce que c'est. Fichtre. Pourquoi on combat déjà un truc comme ça? C'est illogique. Mikanou va sans doute crever. Merci. Et au revoir. Alors du coup, il me reste que lui. Oh purée. Casse-vitre, tu fais tellement le café. Niveau 18, il va peut-être évoluer. Ah, j'ai perdu aujourd'hui, c'est pas de cul, hein. 1624 P. Attends, tu m'as démontré ton magnifique talent aujourd'hui. Et donc du coup, je vais... Non, je suis going. Je vais aller tout predict that you... Éventuellement, earn. Éventuellement, peut-être. Earn, je sais pas ce que ça veut dire, mais si on rajoute un L, ça veut dire apprendre. All of the League Badge. Je vais te donner mon badge. Voilà. Allez. Et on a aussi le CS. Attaque CS. Et donc l'attaque cut. On va couper. Alors je suppose. J'espère que c'est ça. Fiche. Ah, pour le bouton qui va trop vite encore. Ah non, return. Ah oui. Ah, c'est une attaque qui. Allez, like his trainer. Allez, ok, c'est une attaque que n'importe quel type de Pokémon peut faire, je pense. Normal. Et qui permet d'attaquer à la fois le dresseur, enfin, je veux dire le Pokémon adverse, et à la fois, après, on peut changer directement de Pokémon. Voilà. Il retourne dans sa Pokéball. Enfin, je pense que c'est cette attaque. Là, on les soigne. Alors, je sais même plus, avec toutes ces coupures, je sais même plus exactement combien de minutes on est. Mais c'est pas grave, on va continuer. Je pense qu'on a pas fait énormément de temps et voilà, ils sont barrés. Ok. Il a toujours pas évolué, hein, n'empêche, casse-vitre. Hein. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? On attend que ça de sa part. Hein. Donc franchement, niveau 20, il évolue. Hein. Je suis désolé. Bon, allez, on va faire vite fait Mikanou. Mais je switch entre Mikanou ou casse-vitre. Tout simplement parce que je voulais pas faire ça. Bah, ça arrive d'être moisi l'éclair contre lui. Ok, super. Attends ça. Vas-y, crève. I can see how you beat. Je peux voir le son. Ouais, super. Bah, beat, ça veut dire son, je sais pas. B-E-A-T. C'est une marque de. Une marque de casque, en tout cas. Bah, une attaque. Ah, mais c'est trop bien. Non, je voulais pas faire gros. Ah mais purée, ce bouton qui appuie deux fois. Cet émulateur qui va me rendre fou. Ah c'est bon. Bon c'est le seul émulateur qui me fait ça. Et c'est le seul émulateur qui est fluide aussi sur les jeux de Game Boy Advance. Ouais ça peut être pas mal. Ah voilà. Là. Double team, deux équipes, what? C'est quoi double team? L'utilisateur crée une illusion, une copie de lui-même. C'est de la merde.
Attends, je crois que c'est pour esquiver. Donc non, attends. C'est pour augmenter l'esquive, je suppose. On va. Attaque vite, on la garde. Ah, vive attaque. Bah, gros, c'est de la merde. Voilà. Voilà. Non. Je ne me lasserai jamais de ce bouton. Voilà. Ah, fiche, je voulais pas mettre yes. Attends, on va tous les one-shotter. Ah, sauf lui, attention. Lui, il faut surtout pas faire des attaques. Voilà. Je suis empoisonné, super. Faut surtout pas faire des attaques au cac. Car comme vous pouvez le voir, je viens de me faire empoisonner. Et c'est la joie. Oh purée. Mais ils abusent, il y en a partout de ces trucs-là. Voilà. Là, par exemple, j'ai fait une attaque à distance. Donc il est mort. Sans que je sois empoisonné, c'est magnifique. Oh purée. De toute façon, je peux le soigner hein, juste après. Il va mourir. Ah, purée. Non. Bon, bah, au moins, on a pu voir ce que c'était. Ça augmente l'esquive. Bon, il va crever. Voilà. C'est génial. Ce bouton est magnifique car grâce à ce bouton, je ne vais pas devoir faire 10 000 coupures. Donc ça, c'est génial. Et c'est plus amusant de jouer comme ça. Et fiche, par contre, on se plante des fois. Oh là là, il me le faut. Il me le faut. Il me faut un Pokémon type O. Donc, qu'est-ce que je peux faire contre lui? Si je fais une petite attaque moisie. Ah, ça passe. Je vais pouvoir le capturer. C'est où les Pokéballs déjà? Ah là. Magnifique! Non, parce que je m'en fiche. J'ai pas d'idée niveau nom. Ok. Vous ne passerez pas! Ah ok. Il fait moins badass comme ça lui. Bon bah wing attack et c'est bon, c'est fait. Hein. Tu ne sers à rien. Tu vois, il a toujours pas évolué, mais fichtre. Bon attendez, il faut quand même que je change de Pokémon parce que. Il peut pas y avoir que du casse-vitre hein, partout. C'est vrai qu'il casse bien la baraque, mais bon. Faut un peu évoluer aussi, Voltali. Mais il n'y a que des. Il n'y a que des types insectes, purée, je peux faire que tac. Lui il va avoir des types insectes, je parie. Ah non. Bon, ça passe. Parfait. Alors oui, ok, Milka. Milkadou va prendre charge, mais il a déjà charge. C'est compliqué. Non, c'est quoi un vrai charge? Alors, the user charge power to boost the electric move. It use next. Bon, en gros, il charge son attaque spéciale pour l'électricité là. Qu'est-ce qu'on peut enlever? Bah ça, c'est un peu naze. Tail whip. Mini queue là ou mimi queue, c'est nul. Alors on va faire nul. Ok, bah lui, il sert à rien. Quoi? C'est quoi sa défense? Ah oui, d'accord, il fait mal quand même. Depuis quand ce Pokémon moisi fait mal? Ça risque d'être chaud. C'est le cas de le dire, mais il est mort. J'ai trouvé un truc pour restaurer. Ok, bon, je suppose que c'est. On va pas se faire chier à regarder. Allez, on y va direct. Ok, on est contre ce truc qui augmente toujours sa défense, c'est un peu comme Crisacier, donc il sert à rien. Voilà. J'espère qu'elle est un petit peu haut. Eh ben non. Non, je voulais pas faire ça. Heureusement, il s'est viandé. Parfait.
Bon, le problème, c'est que je connais aucun nom de Pokémon en anglais, donc bon... Je sais pas ce qu'il va envoyer, là. Ah, bah c'est le même. Ah, super, il a endormi mon canou. Réveille-toi, réveille-toi. Parfait. Ah, en temps normal, j'aurais utilisé un truc pour le réveiller. Hein. Un réveil. Bon, vu qu'on peut avancer à vitesse grand V, pas besoin. Mince. Ah bah parfait! Il y a des Pokémon gratuits là. Ah là là. Oh ce bruit! Donc attendez, je vais quand même changer de Pokémon. J'ai pas envie de cramer mes potions directement, ce serait un peu con. Et je vais sauvegarder aussi. On sait jamais, hein, contre ce dresseur, il peut être assez fort. Et j'ai la flemme de lire maintenant, je le traduis plus, hein, c'est bon. Maintenant que j'ai le bouton magique, double team. Ah purée, j'aurais dû garder Voltaï là. Tant pis. Alors yes, du coup, parce que je pense qu'il va prendre un truc du même style. Eh ben non. Ah non, lui, en plus, il est cheaté, là. Quand il attaque, il fait vraiment mal. Heureusement, il est mort direct. Par contre, on peut aller où, là? Ok, il parle de bois. Du coup, il a des types... Ah bah non, d'accord, ça n'a aucun rapport. Mais j'ai cru qu'il allait avoir des types... Bon, ça va, tranquille. J'ai cru qu'il allait avoir des types... Des types insectes ou des types... plantes. Le bois, les feuilles, voilà. Alors, au revoir. Non. Fiche. J'aurais dû changer. Bon. Il va crever! Oh non, paralysé, mais vas-y. Ah, mais il est horrible celui-là! Il est horrible ce Pokémon! Ah oui, parce qu'après aussi, ça le fait pour les autres. Ah, bah oui. C'est horrible! Ah, mais non! Mais non! Bon, fais quelque chose! Vas-y! Il sert à rien celui-là! Bon, Mika. Allez! Puis en fait, j'ai que deux Pokémon en vérité. Qui sont potables. Ah purée. Il faut que j'esquive ce fourbe. Oh non! Ils sont sérieux? Ils sont tarés. Il n'y a pas de village là. C'est des tarés. Oh là là, faut que j'utilise des rappels ou des... Oh non, mais c'est bon. Il va falloir revenir. Ils sont horribles. C'est pas vrai, c'est pas le jeu d'origine, ça. Bon, je vais sauvegarder au cas où. Et on y va. Purée. Mais bon, en fait, je crois que je vais jouer principalement avec deux Pokémon, hein. Je vais pas me faire chier. Parce que... Oui, il s'est pas enfui. Faut aller où, là? C'est en bas. Non! Mais barre-toi! Fiche! Attends, on pouvait mettre nous? Ah, purée. Bon, bah, il sert à rien. Bon, bah, Mika. Ouais, c'est bon. Ah, purée. Fichtre. Il
Dommage que ma voix ne soit pas en accéléré aussi. Ah, on pouvait passer par là, purée. Pas vu. C'est 10 fois mieux. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le départ? Ah non, c'était pour avoir un mari, évidemment. On va se barrer. Mais qu'est-ce qu'il est nul! Il peut pas s'enfuir, mais... Mais si, tu peux! Ça sert à rien, ce Pokémon. Allez, je vais prendre... je vais reprendre Milka. Milka, nous. C'est quand même un Pokémon d'exception. Un peu d'XP, ça fait pas de mal. Un peu d'XP, ça fait pas de mal. Un peu d'XP, ça fait pas de mal. Ah, quoique, ça va pas tuer direct. Bon, de toute façon, voilà, il fait que... Il fait que hurlement, lui. Yaous. Affiche-toi. Peut-être que... Alors, je vous disais que, ouais... D'habitude, c'est des gosses, en fait, les dresseurs. Je vous disais que là, peut-être, quand même, que... Cette femme de ménage est une dresseuse, mais non. Ok, c'est super de voyager dans ces bois, voilà, mais on risque de se perdre, non? C'est pas ça? Mais je vais pas me perdre, moi. Bah, cette place est... Est hug! Bah oui, cet endroit est hug. I don't know if I can make it so... J'ai peur tout seul, voilà. Peur d'y aller tout seul. Il va peut-être crever. Voilà. Purée. Mais il m'énerve. C'est pas possible, c'est la version feuille qu'on a là. Du coup, faut tout le temps reprendre casse-vitre. Ah, il a toujours pas évolué, purée. Il évolue quand? C'est quand tu comptes évoluer? Ah, c'est peut-être pour ça que ce Pokémon, finalement, il est pas très fort à la fin. Il évolue très tard. Ah, d'accord. Ok. Dès la première feuille. Dès le premier buisson. Mais non, je voulais pas faire ça. Je sais, c'est très plaisant à suivre. J'espère que ça va passer, ça, parce que je sais que Pikachu, il me défonce. Mais voilà, moi, je suis suicidaire. Je prends des risques. Mais bon, je sais que mon Pokémon est largement au-dessus niveau... Oui ? Ouais. Antidote. Ah oui, le jeu n'a pas... J'allais tellement vite comme ça que le jeu n'a pas su choisir quel jingle. Quel jingle choisir? Il a choisi un jingle quand on résout... Après la résolution d'une énigme, alors qu'en fait, après, il a changé de jingle, c'est le jingle juste pour avoir un antidote. Le jeu, il sait plus où... Il sait plus où ça se passe, quoi. Purée! Ok, il sert à rien. Non! Ah ah ah, c'est plus compliqué. C'était force égale. Mais non, parce que... Ah bah fiche! Un Hoothoot, j'aurais dû lire, parce que lui, au moins, il a un nom. Il a le même nom que... Que dans la VF. Je viens de le défoncer. Il s'est fait victimiser, comme il l'a si bien dit. Ah bah enfin! Bah fiche! Oh. Nom d'une vitre cassée! Se passe enfin quelque chose. Casse-vitre évoluant, vitre cassée. Ah mais du coup j'ai pu... Il est presque mort, non? Ah, il a quand même gagné les PV après son évolution. Mais bon... J'ai plus grand chose. Donc on va défoncer ce binoclard. Scientifique fou des Pokémon. Oh purée, il est tellement classe. Ok, parce qu'on sait de toute façon tous que Ramolos, il sert à rien. Ah purée, je suis allé trop loin.
Est-ce qu'il y a des trucs en bas là? Ah non, c'est juste pour descendre en fait. Donc c'est pas, ça sert pas à grand chose. Franchement, je m'attendais pas du tout que Kasvit il soit aussi fort. Mais vraiment. Il est pété. Il est juste pété. Bon, je vais quand même prendre un petit peu mon petit Milkanou, mais bon, sinon les autres ils sont complètement dépassés quoi. C'est pas l'équipe de vainqueurs. Bon, j'ai la flemme d'aller en bas. C'était, il y a peut-être un petit objet. Mais vu que c'est un petit jeu, c'est une espèce de démo le machin, ça sert à rien. Non, mais en fait c'est super d'avancer le temps comme ça. Vous verrez ça presque tout le temps. Ah purée, mais comment il fait pour se rater contre un crisacier? Ah mais sérieux, qu'est-ce qu'il fait, Milkanou? Mais qu'est-ce qu'il fout? La musique ne veut rien dire. Alors en vrai, hein, vous ferez jamais ça. Vitesse normale, non, pas possible. Ah et le jeu est paumé. Rare Candy. Ok, j'ai gagné un bonbon ou je sais pas trop quoi. Oh purée de fichtre! Qu'est-ce qu'il fait là lui? Purée, je le prends. Alors attends, c'est... On va essayer direct. Et bah fichtre. Bon, on va réessayer direct. Et bah fichtre. Bon, on va réessayer direct. Bon, ça marche jamais. Bon. Alors, que faire? Bon, il est que niveau 5, mais c'est un Pokémon très rare et très puissant. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Nayamu, je sais que tu es inoffensif. Je suis désolé pour toi. Voilà. Et fais pas de coup critique, par contre. Hein. Peut-être que là, ça va passer. Purée, mais non. Enfin. Il est dur à capturer, celui-là. Alors, il va très vite. Ah, il est bon en vitesse. Hein. Alors un nom à notre petit poteau. Bah ça va être un Pokémon. Ça va être un Pokémon important. Donc du coup, je sais pas comment l'appeler moi. J'ai pas. Il n'y a pas Bulle des Prés et je suis déçu. Comment l'appeler lui? J'hésite. Avançons dans le temps. Un fichre, ça n'avance pas. Ça n'avance pas à la fois le temps à moi et le temps du jeu. C'est dommage. Alors je ne sais point que choisir, quoi. J'ai pas d'idée là. Faire dire Bulle des Prés. Eh bien. Bulle du fichtre, voilà, c'est super comme nom. Non, j'ai pas d'idée. Maigrichon. Ou Best Insectizer, tiens. Voilà. Un nom très original. Ah, c'est un type insecte, je crois. Une petite plante, je sais plus. Une petite plante, peut-être. Mince, il n'y a pas assez de place. Où est le S? Ah là, mais j'ai vraiment pas d'idée en fait. Bust en Insectizer. Arme, fichtre. Au moins un. Au pire. Voilà, hein, juste un Insectizer. Voilà, c'est. C'est un peu naze. Mais au moins il servira à quelque chose. C'est pour ça que je lui donne un nom. Tous les Pokémon je donne un nom. Bon, peut-être que Marie, je l'utiliserai aussi. Tiens, bah, il est envoyé dans la box. Oh purée. Est-ce que électrique c'est mieux? Ah, oh, bon, ça le tue direct. C'est tranquille. La charge, faut lui mettre 30 charges dans la tronche, mais par contre, électrique, c'est bon.
C'est peut-être pas très efficace, mais ça passe quand même. Voyez. Donc la phrase de la musique, une magnifique chanson que je vous ai interprétée par Oliver Passepart, veut tout dire. Les attaques type électrique sont très efficaces contre les types proches, évidemment. Ah, dégage. Je t'ai mis en charpie. Là. Et voilà, niveau 20. Bon, par contre, je pense que je ferai tout seul. J'essaierai de leveler le petit insectiseur. Hein, parce que bon, il faut quelques niveaux en plus. Hein. En tout cas, belle équipe, hein, insectiseur, Mikanou et Casse-Vitre. Ils sont prêts pour le futur championnat. Le futur badge. Purée, il est empoisonné comme par hasard. Je déteste ça. Ah oui, c'est vrai que ça l'affecte pas. C'est génial. Et lui, il est presque mort. Donc là, je suis vraiment, mais alors vraiment, dans le caca. Je vais quand même soigner l'autre là. J'ai oublié de... Il donne jamais de... Il n'y a jamais de ville. Donc voilà. Voilà, fais ton truc qui sert à rien. Mikanou est mort. Boum. Ah, ça lui fait mal. Alors bon, Nayamu, je suis désolé, mais Nayamu, mais tu ne sers à rien. Il est vraiment pas fort, hein, je m'attendais à mieux. J'attendais qu'il soit plus fort que Casse-Vitre quand même. Alors que c'est le contraire. Hein. Non, il dort. Ah, c'est bon. Ah mais écoute, mes Pokémon, ils étaient plus forts. Ah purée, un autre Pokémon. Je sais que vous adorez entendre Pokémon. Je le dis si bien. C'est tellement original. Lui, il sert à rien parce qu'il fait tout en défense. Ah purée. On est paumé en fait. Je sais pas où aller. Là, on est déjà allé. Ça sert à rien. Purée. Faut aller où? Allez, lui, on l'a déjà défoncé. On est peut-être pas allé là. En fait, peut-être qu'il faut descendre ici. Alors, je sens qu'on est au début, là. On l'a déjà battu, celui-là. Je me souviens même plus. Il était tellement faible. Je commence à parler comme Vegeta. Il était tellement faible, ce minable. Ce microbe sans importance. Ah, ça va faire une grosse vidéo. En même temps, il fallait, parce que ça fait un moment qu'il n'y avait plus de vidéos sur Pokémon. Hein. Purée, c'est pas là. Il y a un truc pour descendre, donc je sens que c'est pas là. Casse-Vitre, il va finir par ne plus avoir d'aile, à force de faire l'attaque wing. Ah, bah enfin, purée, on a un gros plein de soupe. Je vois que vous avez trouvé votre chemin dans la forêt. Ah, j'ai pas vu la suite. Ah bah il y en a beaucoup qui tournent. Qui retournent à Ridge City parce que ils sont paumés. Et ils ont peur de se perdre. Alors là,
C'est un truc pour s'entraîner. Secteur d'entraînement. Alors, bienvenue au secteur d'entraînement. Nouluk. Aimeriez-vous. Aimeriez-vous que je vous guide? Allez, suivez-moi, faites pas votre timide. Alors, là vous voyez, c'est quelque chose, et là c'est quelque chose. Et là, c'est quelque chose. Ah, et si vous montez d'un étage, eh bien c'est une autre zone d'entraînement. Là, il y a 6 zones. C'est quoi ça, EV? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour combattre en ligne contre d'autres joueurs? Non, sérieusement. Attendez, y'a rien ici? Ah, j'ai eu peur. Je me disais, attendez, y'a rien ici, ça veut dire que c'est la fin de cette démo. Ah, c'est peut-être le futur champion, enfin, le champion qu'on va combattre. Ah, bonjour, je pense. Oh, faut que tu t'entraînes au EV truc. Ah, parce que tu pourras jamais me battre sinon. Bon, alors, je réfléchis. J'ai une petite distro, d'accord. J'ai une petite gastro. Non, je. Because, parce que. J'ai un petit problème parce que. Mon Pokémon. Il s'est barré, non? What? Il est fini dans Spring Village. Ah, il faut aller à Spring Village retrouver son Pokémon, non? C'est pas ça? Ah, c'est un Evoli! Ah, mais attendez. Avez-vous parlé? C'est il. You received a lost in. Ah, mais attendez, vous avez l'Evoli perdu? C'est paumé dans Spring Village. Mais c'est mon Pokémon. Du coup, je vais le choper, ton Voltali. Je voulais pas qu'il soit en Voltali. Je voulais le garder en Evoli. Voilà, alors, t'as plus que casse-vitre, qui est potable, et c'est tout. Et on n'en parle plus. En gros, c'est ça. Alors, how many Evoli? Pas mal d'Evoli dans cette version Tempest, hein, je suppose que c'est ça. Hein? C'est une blague? Non, ce n'est pas une blague. Il veut vraiment se battre. Mais non, je voulais pas faire ça. Heureusement qu'il s'est glandé. Ça. Mais non, tu utilises pas des potions, toi, là. C'est bon, moi j'en ai presque plus, je suis sûr. Ah non, je change pas le Pokémon. Ah purée, c'est ce truc. Ah non, plus. Ah purée, j'ai plus d'attaque. Ah, pas fait gaffe. Et même si je fais ça, je pense que ça ne fait pas grand-chose. Ah si. Parfait. Parfait. Voilà. Bon, écoute. I don't know. Alors, je ne connais pas who you think you are. Je ne sais pas qui tu es, mais you stole my Evoli. Mais tu as piqué mon Evoli, t'es pas gentil. Alors maintenant, disparais de mon chemin. Avant que je te balance mes cadavres de Pokémon sur la tronche. Très aimable. Et donc voilà, on est à la fin de cet épisode, cette partie 3 du magnifique Let's Play Pokémon Tempest, le Let's Play oublié. Et donc,
Alors voyons pour de nouvelles aventures pour la prochaine partie de Pokémon Tempest. Et Mario Luigi attendra, hein. Pokémon Tempest avant tout, attention. Alors voyons.